Mbokango mokengeli koi Mbokango mokengeli leopa Mikolo to sekana kina mosolo ya mboka Kongo ekoki to fungwani misolelo to moni bozo banyo soto sali Boya kobongisa Kongo aveni Bonjour mesdames, bonjour messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à ce numéro de Congo Asika. Nous sommes aujourd'hui mardi 18 mai 2021. Très heureux d'être ce matin chez vous pour justement parler avec vous sur cette question, en tout cas, qui nous lie à tout ça, la République démocratique du Congo, la vision du président de la République. Comme vous le savez, cette vision qui met l'homme au centre de toute préoccupation, en tout cas, est la bienvenue, en tout cas, à tout le Congolais que nous sommes. Vous nous suivez de partout. Nous commençons d'abord, comme d'habitude, à saluer les amis qui nous suivent des États-Unis, la communauté congolaise qui vit aux États-Unis. Nous la saluons parce que cette communauté ne cesse de nous encourager, de nous appeler de temps en temps pour échanger sur la question politique en République démocratique du Congo, la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À vous également, vous qui nous suivez à partir de l'Europe, nous sommes là, nous vous saluons, nous sommes très reconnaissants par rapport à ce que vous faites pour l'avancement de notre pays, la République démocratique du Congo. Merci également à nos amis sur le continent qui ne cessent aussi de nous appeler, les amis de Bénin, les amis du Cameroun, les amis de la Côte d'Ivoire, les amis du Congo-Brazzaville. Je pense à un jeune frère qui vit d'ailleurs au Congo-Brazzaville, Michael Muteba, qui en tout cas nous suit chaque matin et il nous suit en famille évidemment et il ne cesse de nous faire plutôt ces câlins. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui, en tout cas, nous suivent de partout. Vous qui êtes aussi à l'intérieur du pays, Tobosane Binote, merci, merci Longo Niamingi, parce que vous êtes là pour nous encourager et que le Congo puisse, ensemble avec vous, travaillons d'arrache-pied pour que le Congo puisse redorer son blason terni derrière le chef de l'État, derrière la vision du président de la République, une vision qui est bénéfique à nous, Congolais. Derrière cette programmation, ce projet qui est donc Bendele et Kouyaté, vous le savez, il y a quelques jours, le chef de l'État avait décrété l'état de siège sur les deux provinces de notre pays. Il y a donc le Nord Kivu ainsi que l'Ituri. Et depuis, le chef de l'État a nommé à la tête de ces deux provinces les gouverneurs militaires et vice-gouverneurs policiers pour, en tout cas, faire suivre cet état de siège, travailler parce que nous avons besoin de la paix, rien que la paix. Je vous rappelle que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a commencé ses grands travaux sur les plans diplomatiques. Il a échangé avec plusieurs forces en dehors de notre pays. La communauté internationale aussi était sur la liste de ceux-là que le chef de l'État avait contacté, avait parlé en privé pour la question de l'Est. Et après, nous sommes allés sur l'autre phase de cette programmation qui est donc mettre fin à la guerre qui nous est imposée injustement. Et la deuxième phase de cette, en tout cas, je vais dire, de cette programmation est donc la phase décisive. Il faut passer à l'offensive et c'est ce que le chef de l'État
Afé. Donc, nous sommes à Béni, nous sommes à je ne sais pas, à Goma. Vous nous suivez en tout cas de ces deux pays fortement touchés par cette guerre injustement qui nous est d'ailleurs imposée. Nous sommes de cœur avec vous. Nous travaillons pour que la paix puisse être retrouvée dans cette partie de la République, parce que l'objectif ici, c'est de pouvoir donner à ces pays un développement, durable. Et ce développement passe justement par la paix, et rien que la paix. C'est pourquoi le chef de l'État est en train de tout faire et milite en tout cas pour que la paix puisse être retrouvée dans ces deux parties, ou dans cette partie, la partie est de la République démocratique du Congo. Vous aurez toutes les précisions, mesdames, messieurs, sur comment les choses se font au niveau évidemment de l'est et de la République démocratique du Congo. La campagne, nous l'avons déjà commencé. Bendele ekweyate drapeau ya mboka na yo koyekweyate esika nyonso ozwami kokweyisa drapeau ya mboka te. Kongola zalaka mutu ya fier, Kongola zalaka mutu ya lokumu, Kongola zalaka mutu oyo atiaka makamu na ye nyonso na alima na liboso. Nde boye biso tolobi ete toniokwami mingi, tofukami pe mingi devant ba force oyo bandeko na biso peut-être ya libanda ya oyo bazali donc ba pays limitrophe ba voisin na biso oyo peut-être bazali kokotisa ba biloko ya malonga ya malamu te pour na kotia biso vraiment na kati ya embrouillement, pour que bango dans l'entretemps bakoka ko bénéficier na ba richesse na biso bandeko batali. Vous pouvez nous appeler pas en direct évidemment, ben après l'émission vous pouvez nous appeler, nous sommes ouverts à tout contact. Le numéro est affiché au bas de vos petits écrans pour que vous puissiez en tout cas nous appeler pour que tokoka ko échanger na bino sur cette question. Bandeko ba zabolo oyo ba koti tellement ebele ba infiltré biso na ba anglais nyonso pour être Congo na biso ekoka kozala kaka genou ebele ba sepelite yo bomona awa na émission lelo tokolakisa bino na ba reportage oyo bandeko basala ki oyo bazo sala pour na être ko déstabiliser le pouvoir en place. Ils ont compris que bandeko batali que tout passe aussi par na ba canal lokola ya télévision, na canal lokola ya radio, na canal donc au fait na ba réseaux sociaux, tout ça pour na ko déstabiliser bonne volonté oyo et ça les miette pour que mboka na biso kimia finalement et ko ka kozwama bandeko batali. Nous sommes là toko banda ko dénoncer bango chaque jour oyo ezali ko leka oyo nyonso ezali ko bunda pour na été ko déstabiliser les pouvoirs en place, ko déstabiliser cette bonne volonté bandeko oyo été motokuta ezali civil ka sa sali bonne volonté wana pour que bitumba yango esila boyebi ke na mboka na biso tozo ba militaire na tête ya mboka oyo kasi objectif principal ezala ki ete makambo susu en dehors ya mboka na biso ekoka kotambola malamu. Yango wana bandeko tutelemi tolobi ete biso nyonso ba congolais nous devons nous mettre debout, tokoka kozala derrière le président de la République, tokoka kozala derrière gouvernement ya mboka na biso ekamba mbongo na Jean-Michel Samalukonde, tokoka kozala derrière ba ministre na biso, tokoka kozala derrière Patrick Muyaya parce que apesi biso volonté wana pe ya relancer campagne oyo bendele ekweyate na ebisi bino ete nous sommes en train de travailler. C'est un travail de fourmi oyo tozali kosala malembe pour ete tobimisela bino assiette moko ya malonga. Yango wana bandeko batali dans tout na ba prochain jour awa tokopesa bino ba précision sur comment est-ce que nous devons soutenir ba forces armées bozali ebele ya kobenga biso pour boyeba comment nous allons faire, mais nous sommes en train de travailler là-dessus mesdames messieurs pour que tokopesa bino nini oyo tokoki kosala pour être véritablement to accompagner pe biso ba nani ba forces armées na biso bandeko oyo bandimi kolata sokoto batiki ba famille na bango batiki basi na bango pe bana na bango bandeko misusu nde bakei bazali pe na espoir peut-être pe ya kozonge kozala te parce que bandimi kotia makila na bango au service na biso bandeko kotia makila na bango pour être
kimia ekota ezonga na mboka na biso pa bandeko batali bandeko wana bakei oyo bakei ko bunda pona ekolo na biso Congo démocratique to koka kozwa kimia biso na bayeto tikali awa. Nous avons un seul objectif, un seul devoir, ya kosa les alliés to accompagner bango, to soutenir bango. Bamona ete bazali bango mokote kasi bazali bazala ba orphelin te kasi bazali na biso nyoso oyo lobaki Patrick Muyaya, le ministre ya communication pe ya media ou bazali ko bengaye le Mbappé ya gouvernement Sama Lukonde Mutazali ko tia ba mingete ebele pour être Congo ko ka kozwa sika na yango Congo ko ka okenda liboso o azali ko tambola na logique ya président de la République o azali ko sala ete o nyoso mokonza mboka zo sala e ko ka koyebana na kati ya mboka na biso yango na bandeko batali na mboka kaka ya biso te pe na mboka bapaya nde boye mwana mobali oyo atelemi alobi ete to bunda elongo to tia mayele na biso po ete Congo ekoka kokenda liboso azo mérite soutien ya Congo ya sika mobimba ya batu tu ya ba Congolais nyoso po ete ya boye nanu esalema te ya boye nanu tomona te ministre ya media ya communication pe ya media implication totale avec ces grands projets oyo a lancé en tout cas longonia na moto oyo wana zali bongo moto moko na kati ya service ya population il sert son peuple il sert sa nation po ete mokonza mboka lobaki ete soko zali ministre zali président de la république yebaye tozali au service ya Congolais biso baito pesi bango mosala kasi tozali komona déjà mosala yango ezali prometteur ezali kopesa déjà basine ya malonga. C'est comme ça que nous allons continuer à travailler d'un commun accord avec bandeko nyoso bazali kosala malamu pona Congo na biso ekoka kotelema ekoka kozonga na ndenge ya télévision président de la république et la tanzoto bandeko batali comme d'habitude lokola tobandi déjà campagne na biso oyo ya bendele ekuya tete tokobende tokobandana bandeko ko proposer biso nyoso tout debout congolais hymne national na biso oyo bandeko oyo ezali ko permettre biso et tout tellement parce que yango tango betaka et kota ka biso lisusu moi ampleur moko boye et ça la biso lisusu que to ko ka kozwa ba responsabilité na biso en tant que congolais to tellement pour être to bunda elongo pour Congo na biso ko kende liboso parce que réussite na biso ezali Congo Congo ezwa et sika na yango Congo kenda liboso to zwana national au télémesiko zali yom tozola ndabiso zo courage au téléma parce que le Congo nous appartient parce que le Congo ezali abiso tozo hymne national et bongo tozonga pour que tout continue émission abiso. Il a musarabiso, yango tele misarabiso kolobaite mboka na biso ezui ezali na kati ya pasi mboka na biso ezali attaqué il faut to telema po ete to longa etumba nde to bandaka toujours na ko telemisa biso nyonso na cadre ya debout congolais. Debout congolais au fait ezali pona ela musabiso esisite biloko ya kati na biso oyo epesa ka biso courage ya ko telema kolobaite to zali congolais to ko jamais ko continuer na rythme oyo to ko jamais ko continuer bande ko plus de 20 ans à genoux na devant ba mboka lokola ba Rwanda ba Uganda
Uganda, ba Burundi, trop c'est trop, tolobi et koki. Et le Ronin est si la raté, bande quand même film à Yesu et si la film à Titanic ou te si la. Bon, biso bitumba oyo, et aussi la kate pona nini. Yangwana mokonza mboka telemik. Dekwana mokonza mboka telemi. Apesi biso gwa lobi to kenda sikoyo na front. Biso moko to kenda to atake batwana na front. Parce que basaka na mboka batu yabaninga te. Mboka na biso to yambi bino. Lokola ba refugie. Boye awa bozima ndoki. Bo sangana biso moko ba kongole. Po ete bo boma biso lisusu. Po bo beneficie na ba kare minye. Po beneficie na boi na boi na boi na boi. Mboka na biso kaka boye bo mema muze. Ote boye boye to si sa. To kwe sa dictature oyo ezalaki awa pendant plus de 32 ans. Tokei na dit to kwe si dictature to ye logo la ote biso ba libérateur nzoka carte blanche ezalaki na carte ba libérateur wana. Ele lelo ekomi libiso ngambo bandeko ekomi libiso pasi lelo lelo tozali ko subir tout ce que nous sommes en train de subir parce que quelque part ba la Kabylie avait signé ba accord moko boye oyo ti lelo biso to ye ba rater ezalaka nini mais yango wana etelemela biso ekanga biso singa na gorge ekomi kitina ba lelo boye to perdre ba tulukwa ba muse oyo un grand révolutionnaire. Mais classique, tu perds bango carabouille parce que c'est long. Ndenge tu comme solo que a respecté qui va corter, va corrompre on peut toluka to yeba. Ezaka nini? Musa akaluba, aluba qui a pesa bango ma belé. Ezaki nini au fait concrètement? Parce que ti le lok, ezaka mbutu 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 mbutu. Bitumbe banda biso abandeko, bandeko wana ba yeba zimandoki, ba komi ko attaquer biso. Quoi que le lok président rwandais kuna na sommet baza bongo kuna na Paris, amekai ko wanga na babilo ko ebelé oyo ba reprocher ye kasi. Alobi ete blok ono je aussi d'ailleurs one des abus nakata masolo anate one mais bisonyo soto yebi que Rwanda ezali partie prenante nakati ya makamba difficulté nyoso tozali komona alobi ete a soutenir mokonzi mboka il faut un accord conjoint pour na ete ba nini bitumba wana ekoka kosila c'est une parole diplomatique bandeko et puis tshiseke di notre président a ebinde nini ya manajaka biloko wana bozala sans crainte on va donner toutes les précisions na cadre wana na émission ou ya mokola lelo bozo ba image nyoso ya Paris ndenge mokonzi asa ba audience nyoso asala ki et puis na ndenge Akutanaki Ayambaki pe directrice générale ya FMI Fonds Monétaire International oyo bazali ko pesa plus de 1 milliard de dollars na République démocratique du Congo. Je rappelle que sommet wana ezali sommet pour na ko booster ba économie ya continent africain bandeko. On va donner toutes les précisions par rapport ya ngotika na biso to koka kokinda na eloko ya tozali ko benga ko rappeler biso ko sala rappel patriotique aux ali congolais yeba été au faut telema pomboka ici ils a en danger moke tout ami moke simbami bandeko mokonza lobito kenda na France iko to attaqué batwana po ete to bouté bango libanda nde bo tozali ko benga yo congolais sika ozwami benga biso pesa biso position na yo yebisa biso ete je suis congolais je soutiens le FARDC wana ezali ko lokisa bandeko bazali na front po ete ba comprendre que biso tozali de cœur na bino biso tozali ko tambole longo na bino to tiki bino ata mokolo moko te guerre ezali kuna na est mais kasi guerre ezali na Congo mobimba bawo bazo bunda na front biso kupe koto to tikali tozo bunda na ba angle mususu ça dit kuna état de siège mais awa foto za na état d'alerte ça dit tele mesiko ezali tala nani oza pembe na yo parce que monguna koti a infiltré biso de partout yo zali komo na ete mokonza beti lola kaka kaboye batu ba komi de bandade eh ba basali ba reportage ekutu d'ailleurs de po kota na bokondi eloko nini eh boye boye. Tout ça parce que le président de la République a boyi ba masolo nyonso ba proposa ki poete makambwaniko. Tout continue na guerre wana tu wapi. Nzoka guerre ango ezayi ko profiter na bapaya. Nde mokonza mboka telemi alobi net. Il faut sila na kotia makanisi na ngai nyonso be fort na ngai nyonso elongo na population congolaise mobimba to bute monguna wana libanda ya mboka na biso et c'est ce qui est en train de se faire bandeko. Yango wana tozali ko belela yo bisika ozwami. Yo bendele eko ya te tellement parce que nous avons besoin de toi, le Congo a besoin de toi, comme négligé te yeba ete na onyo so salaka okozala muta pusu okozala motangisi okozala élève okozala étudiant okozala chrétien okozala musulman okozala je sais pas moi catholique okozala église de réveil okozala donc
eloko nyonso okoyi kozala statut na yo nyonso mekasi soko ozali kaka congolais yeba ke cette affaire te concerne. On va te proposer encore, on va vous proposer justement encore nini message wana oyo ya kosenga kimia ko révolter yo ko laxa yo ete trop c'est trop to koufi ebele. Cette fois-ci nous devons nous mettre debout. On va vous proposer ce message oyo esalema ebongo na ministère ya communication pe ya media o esimbami na ndeku tuzali ko benga Patrick Muyaya oyo bazo benga mikolo yo Mbappé ya gouvernement Sama Lukonde. On prend cet élément et on se retrouve juste après. Congo, la paix, plus que jamais la paix. Congolaises et Congolais, il est temps. Tanguzi Fweni, Tibadia Kumbana, Wakati Nakamilika. Tango et Cookie pour la Kimia au Katia Ekolomo Bimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions des morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périssent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 morts. Des milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop, c'est trop. Il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi Fweni, Tibadia Kupana, Wakati Nakamilika. Tango et Koki pour la Kimia au Katia et Kolomobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Lungu na Fardesi na police, Bansoli Sanga Toteleme. Tolonga Namapinga. Bendele Kouyate. Congo. Congo. Très bien, merci beaucoup pour l'élément wana bandeko nyoso. Oyo bazali vraiment de cœur na biso bazali ba telemi bazo landa biso to pesibino merci parce que Congo kaka moko tozana yango mboka moko tozana yango nde yango yo Congo na biso Congo oyo tozali na yango le seul patrimoine oyo Nzambe apesa biso yango oyo nde sengeli biso nyoso bisika tout tozali to tila yango mayele tozo beta lisolo to beta lisolo développement kasi il faut kimiezala pour ceux qui mezate développement ngo tozali koluka e kozala te ezali ezala pasi pe mawa mingi bande ko même le peuple d'abord pour être ekoka vraiment kozwa ben fait na yango à 100% bande ko batali et sengeli na biso kimia ekota pour être ceux qui kimia ekoti on travaille sur ndengenini économie et koki ko mata pour permettre que congolais alala akufa tsu nzala te congolais akoka lisusu kozala na ba difficulté ba transporter congolais akoka lisusu kozala na ba problème te ke oku kei ma ekei ngola za na problème wana te kongola ko kasuko za na problème ya musala te bandeko ozali licencié tala lelo zo se retrouver na coin moko boya cabine ozo sala musala ya kosala bechange ya monnaie mais ozana diplôme monene ya licence okembi pendant 5 ans na université ozali aussi lisi bongo na diplôme monene kuna parce que okende na DGI okuti porte okanga ba bisi moyenza te okende na DGDA okuti porte okanga oke DGA okuti porte okanga na ebite so yo kenda yua potamboli ti wapi sokotope sapato ese lembi po ete uzaiki depo bandoa luka musala musala ezali ayeko mona na te tous ces aki nini m'esprit mabe ya batu bonne volonté ya kosala
volonté au sala que makambo ya Congo makambo ko kwende libosé za ki te volonté ya te que makambo ndenge mboka na biso ezali ko tambola il faut to sala ete ba congolais ba ko ko bénéficier na yango ezate batu wana bazi ba mine na biso ba te ki yango ba kabi yango comment se fait-il que na kata ba contrat chinois bande ko j'ai eu la grâce ya ko pénétrer contrat chinois en tout cas merci na ndeko apesa ngai ba information na nyoso na ebisi bino bande ko ezali pas si Congo azo se retrouver te contrat chinois na mobimba bazi ba minere na biso kenda ba carré minier aux monarques bo monaki après awa tant mo konza kitaki ba chef d'état tous ba se ba weleli weleli ko ya ko luka chef ko ya ko luka président Tshisekedi tout ça parce que na yo toyo ki lisu na kati wana ke ebela ba chef d'état ya ba pays ya africain awa ba misusu bazana kati bazana ba bloko ba carré minier na kati awa tout ça nyo se zaki nini pouvoir o ya kala et ça la qui était épaisse et que ezayi ko travailler pour na compte ya mboka na biso te kasi ye travailler pour na yango wana mokonza zali koloba alobi ete bandoki bazabolo ya oyo basaki musala lobi parce que le problème c'est que lelo les gens doivent comprendre ce balobi moto azali zabol elingi lo bate ke soki pendenge nini te parce que kindoke zaka te moto abimaka na butu parce que kindoke zali système ya mutema mabe yo fandi wana ka po batu ba recette yo fandi wana ka ke po batu ozaka ote ya ko olonga te na kangai na tie bakal na sala ebo na sala ebo et c'est ça nde bazobenga mutema mabe bandeko soko tali lelo bato bazui babomengo na biso bake ko kabela ngo bapa ya biso moko population bomengo na biso moko c'est que bato na ba mutema mabe qualificatif nini mususu bolingi to pesa et puis mokonzi était devant population ils ali communication mokonzi azali ko communiquer na population donc yazo pesa wana ezali ba to benga ngo na français ba figure de style donc oyo mokonzi azali ko sala azali ko pesa donc neti figure de rhétorique moko boye ça dit c'est comme on dit la main de Dieu mais Dieu n'a pas de main mais balubika oh non la main de Dieu est sur nous. La main de Dieu est sur toi. Donc ça dit c'est une figure de rhétorique oyo qui veut à ce que ça la carte représentation ya eloko moko boye pour na couper pour transmettre message songolo to pakala. Bande ko on continue avec sensibilisation tozongi la bino sous journée à samedi boni oyo premier ministre a lancé officiellement masolo ya Bendele Ekuyate. Le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé officiellement Masolo ya Bendele Ekuyate. Nous allons revenir, nous sommes en train de revenir d'ailleurs sur cet événement. Zayi Bongo samedi dans le studio Maman Angebi. En présence, il y a équipe, une grande partie, il y a ba membre du gouvernement. Naye. Et puis, Patrick Muyaya, ministre de communication et média, yende organisateur ya masolo wana na ebisi no projet oyo et outi bongo na ministère ya communication pe ya média nde boye Patrick Muyaya pe azalaki na de la partie. Il a pris la parole pour remercier, pour d'abord expliquer ndenge nini ba kokai ba salaki ba fan tse masolo wana pendant deux jours seulement et que les résultats zaki vraiment haute en couleur. On va suivre cet élément et puis on se retrouve juste après. Une soirée pas comme les autres. Dans une cérémonie haute en couleur, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé officiellement la campagne de sensibilisation sur le soutien aux phares d'essai qui sont au front dites Bendele Ekuyate. Cette campagne vise l'adhésion de la population dans cette option prise par le chef de l'État seul de ramener la paix sur toute l'étendue de la République. Le relais d'un message déjà donné par son Excellence le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Message qu'il n'a cessé de réveiller. Message de paix, message de reconstruction de notre pays. Parce que pour que cela se fasse, oui, nous avons besoin de paix. Et ici, pour matérialiser cette pensée, il y a eu une décision. Décision d'avoir un état de siège dans une partie de la République démocratique du Congo, à savoir dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Lorsque nous chantons notre hymne national,
nous prenons l'engagement de bâtir un pays toujours plus grand et plus beau dans la paix. Cela signifie que nous avons ce devoir de maintenir la paix ici en République démocratique du Congo si nous voulons le développement de celui-ci. Et donc, ayant entendu ce serment, cet engagement, le président de la République s'y est aussi attelé en disant qu'il voulait ramener la paix dans cette partie du pays où s'y sévit autant de souffrances depuis maintenant plus de 20 ans. Et donc, état de siège. État de siège depuis le 26 avril passé, où il y a eu une ordonnance prise voulant que nous puissions avoir désormais un état où on combat les forces négatives. Et à la suite de cela, nous avons vu les gouverneurs militaires et policiers, vice-gouverneurs policiers être nommés à la tête de ces provinces pour pouvoir se mettre au travail et ramener cette paix. La contribution, elle n'est pas seulement matérielle, elle est spirituelle, elle est aussi de soutien. Aujourd'hui, nous disons nous ne voulons pas voir notre drapeau au sol. Nous voulons le voir flotter toujours plus haut, et ceci sur toute l'étendue de la République. En soi, on dira Bendera ici un bouquet. Et de ce côté-là aussi, nous prenons l'engagement. Et nous voulons ici lancer un appel patriotique à toutes les Congolaises et à tous les Congolais de se joindre à cette action déjà décrétée par le chef de l'État et de combattre le mal, où qu'il soit, ici en République démocratique du Congo. Et dans l'acte, l'action que nous menons, nous demandons aussi, justement, à nos frères et sœurs, ceux qui, surtout la jeunesse, se sont laissés séduire par ces messages séparatistes et ces messages de haine, leur demandant de prendre les armes, ici en République démocratique du Congo, pour quelque raison que ce soit, et qui finalement aboutit à des sévices, des viols, des tueries, qui empêchent à nos enfants de se rendre à l'école pour pouvoir étudier et se former pour le lendemain, qui donnent de la peur au ventre à tous les parents qui sont dans cette partie de la République, chaque fois qu'ils vont au lit, ne sachant pas ce qui les attend le lendemain. À tous ces jeunes, un message simplement de leur demander de revenir à la raison. L'action qui est menée est une action de pacification. Patrick Muyaya, ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, organisateur de cette soirée, remercie le Premier ministre de son implication à cette campagne. Pour te dire merci d'avoir répondu à cet appel patriotique, le Premier ministre est reparti très content. Protocolairement, nous avons prévu quelques minutes, mais il est resté jusqu'à la fin. Cette idée a germé il y a 2 jours. J'ai appelé le pasteur Moïse, comme je l'appelle mon ami, et spontanément, il a dit pour le Congo, je viens tout de suite. Et je confirme que le gouvernement n'a sorti aucun dollar. Et la grosse surprise, c'est de voir qu'en 2 jours, il a réussi à trouver les tenues pour son groupe parce qu'ils se sont habillés en treillis. C'est quoi le secret, pasteur? L'amour du pays, l'amour de la RDC. Bendele Ekouyaté, un soutien de la population aux forces armées de la République démocratique du Congo sur initiative du ministre de la Communication et des Médias, son Excellence Patrick Muyaya. Plusieurs activités allant dans l'essence d'accompagner les FARDC seront organisées sur toute l'étendue de la République afin que les militaires ne se sentent pas orphelins.
Merci beaucoup pour cet élément, Bandeko. Wanezaki, journée Bongo et samedi, et Salimaki Nabutu. Lancement officiel, il y a Bendele Ekweyate, Oezali, Likambuna Biso, ba Congolais, il y a Ngaï Nayo Congolais, Telema Poete, Bendele Nabiso Ekweyate. Parce que tant que vous flottez, on a battu la tête, Ezali drapeau, il y a Tshisekedi, Ezali drapeau, il y a Ated, Ezali drapeau, na ebite, y a mouvement Nini. Kasi, bazomona drapeau wana ezali drapeau ya République démocratique du Congo tricolore ezali bongo ba couleur na biso fierté na biso tozaka na yango parce que bandeko batali tozali congolais et que biso il faut totelema il faut tozala fier pour être mboka na biso ezali mboko ezako couler le et le miel oyo boyoka kana période ya Moïse kasi kana na période oyo ezali République démocratique du Congo ezali convoité na ba grande puissance nyoso bandeko président de la République, les lobes de Kunanga et Nebisabino, tout ce que Félix est en train de faire, tout ce que le chef de l'État est en train de faire, Bandeko, Bazali Kobundisayango, Poete, Balingye te Makambouana et Salemate, Kimie Kotate, parce que Batouana Nyonso, Bazali Ko bénéficier, Naba bien Nabiso, Naba intérêt Nabiso, Yamboka Nabiso Bandeko, Biso Moko population, Tozali Sima, Tozongi Sima Makasi Bandeko Batali, Poete, Mboka Nabiso, Moekendali Bosso Zate. Mon économie n'a pas de fan des athées. Mon camouné n'est le col à Congo. Richesse et bandit n'a lettre A qui n'a lettre Z. Tout bandit au tangé la bino de A, B, C, D, T qui n'a Z. Ne boye richesse et mon cannabis au tozali na yango. Nzamba béni mon cannabis au bandeko. Kasi biso mon tozo koufa pauvre. Biso mon tozali kotozo vivre malonga te. Nzele zalite. Et maïeza passi. Imaginez-vous le col à grand inga. Le col à inga monène n'a pas de fan des cannabis. Mais courez tchaka biso na embriement ta la dimension ya kimute mama bek ta la dimension oyona bandeko na rappeler bino lisusu bandeko batali projet monene zali défendu na continent africain zali bongo le projet ya grand inga pour être incourant na biso oyo et alimenter afrika mobimba bandeko kasi bazo travailler na projet wana ata congolais moka zate ta la mute mama be ya ba, ya ba dirigeant ya hier ata congolais moka zate et puis projet wa programme wana eza na siège na Congo te et kenda na ngoso ki bene so ki mboka nini. Imaginez un peu esprit ya mabe ya batu ya lobby ndebo ozo comprendre que batang bazo le baké bazabolo badongolo miso les gens s'agitent les gens s'agitent. On va continuer à parler comme ça, Bandeko, parce que tout ça a besoin yo au Téléma, au Simbapé, au Pesa Congo, chance wana. Pesa biso, Pesa Congo, chance. Soutenir ba FARDC. Ezali moko ya élément moko mutuya, oyo okoyi kosala en tant que Congolais. On va vous donner les modalités, Bandeko, na yebisibino que nous sommes en train de travailler là-dessus. Parce que Zali Moussala y a mouquieté pour yose nga implication par-ci par-là. Nous y travaillons, Bandeko. Et nous allons, au moment opportun, vous présenter le travail que nous allons faire, que nous avons fait. On va le faire, on va vous le présenter. Nous devons soutenir le FARDC. Bisikanyo Sozalik, soutenir le FARDC. Tindela ce message d'oreille à soutenir le quoi, Bandeko Bele, Bazalik, Tindela ce message, Namoni Bandeko, Balbi, grande famille à tête, Asbel, Oyo, Bazalik, Tindela ce message de soutien à FARDC, CG, Jacques Loukia, en tout cas, le but, c'est Mama FARDC, Namoni, le président Willy Kalonji, qui dit que nous sommes derrière la, les FARDC, Namoni Cap, DMP à lobby, Tozali wana pona to soutenir bandeko na biso bazali na front Antonio Momona Mamona plutôt alobi pe ye azali ko soutenir le ko l'appelle le ezali mokolo ya anniversaire na ye to pe si pe bon anniversaire ndeko Antonio vraiment courage belé pona ndenge bozali ko kende na sens ya ko soutenir les FARDC to moni pe ndeko Tomoni ndeko Thierry Kapetape alobi azali ko soutenir ba FARDC azali donc autorité morale ya ated ndobosani pété ndeko Bebimpoi je l'ai dit son père qui est d'ailleurs en train de nous suivre alobi yé pas ali ko soutenir FARDC azo tuna kutu ndengeni makambongo ibanda ndengeni ni tout ça mais za na kimia ndeko Bebimpoi je l'ai dit son père en tout cas où tu seras fixé par rapport à tout ça. Alors nous continuons Bandeko Batali sur lancer Tozaki na yango. L'obito célébré qui date le 17 mai.
Le 17 mai, bandeko, faut boye bake, le 17 mai, et comme journée, il y a journée, il y a soda. To réfléchis, to kanisaka, nengeni ni victoire, il y a soda, nengeni ni victoire, il y a militaire congolais, l'icolo na, oyo, tu sais, benga dictature imposée pendant près de 3 décennies, bandeko, et ba forces armées to le ba militaire ba longa ki etumba wana oyo ba koisa ki mobutu et que lelo to koma ko kanisa yango to pesa yango to dédié yango na bongo ba militaire na biso ya mboka na biso. Ça faisait 24 ans lobby depuis que Congo depuis que ba militaire wana ba koisa ki o tozali koloba dictature o ezaki imposé Nakati Namboka Nabiso pendant près de 3 décennies. Je vous propose le moment fort de cette grande cérémonie, d'ailleurs présidée par le Premier ministre qui a représenté le président de la République. Comme vous le savez, le chef de l'État séjourne à Paris, à Kendaki, dans le cadre du sommet OYO, sommet pour booster l'économie, il y a continent africain, et le chef de l'État, Azaiki, à Paris, donc Bandaki hier, et aussi la Lelo, Lelo est la deuxième journée, et à son absence, le Premier ministre était là pour célébrer, pour commémorer journée wana, il y a le 17 mai dédié na ba militaire. Idriss Déné Wade, s'il est d'accord avec moi, on peut suivre cet élément et on se retrouve juste après. Avocat de la cérémonie marquant, le dépôt de ses frères au mémorial du soldat congolais. Je vous invite à passer le détachement d'honneur à l'inspection. Commandant du détachement d'honneur, le major Koubika. 17 mai 1997, 17 mai 2021, 24 ans, jour pour jour, la République démocratique du Congo a commémoré cette date dédiée aux forces armées de la République avec faste. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, au nom du Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui séjourne présentement à Paris, a présidé à la place les mémorials du soldat congolais au rond-point Forescom à Gombe, la cérémonie commémorative de cette date historique qui restera gravée dans les annales de notre pays. Une victoire militaire sur la dictature imposée sur toute l'étendue de la République pendant plus de 3 décennies. En présence de quelques membres du gouvernement, du chef d'état-major général des FARDC, du commissaire général de la PNC, de plusieurs officiers et sous-officiers militaires et policiers, le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussense a remercié le président de la République pour sa détermination à construire une armée forte et puissante au Congo. Pour sa part, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, au nom du chef de l'État, a rendu un vibrant hommage aux soldats congolais tombés au front pour la cause de la République. Ils sont nombreux, ces compatriotes qui, depuis les années avant l'indépendance et après, ont perdu la vie pour défendre la République et ses valeurs. Nous nous souvenons des batailles de Tabora, de Gambela, de Sayo, durant la guerre mondiale, de la guerre de 80 jours. La guerre de libération et aussi toutes celles qui s'en sont suivies jusqu'à ce jour. Et on nous a rappelé toutes ces brillantes victoires que nous avons eues face aux forces négatives contre la République. Samalou Kondé promet le soutien indéfectible de son gouvernement au FARDC, surtout pendant cette période super sacrée de l'état de siège. Je voudrais vous dire toute l'admiration que nous avons pour votre engagement sacré. Votre gouvernement ne ménagera aucun effort pour améliorer vos conditions de vie et celles de vos familles. Ce moment devrait permettre à chaque citoyen d'apprécier la valeur des sacrifices consentis.
pour nos soldats, officiers et généraux, et de comprendre le sens de leur engagement et de leur sacerdoce visant la sécurisation du territoire national. Mesdames et messieurs, en ce moment particulier de notre histoire, où vous êtes davantage sollicités avec vos frères de la police pour ramener la paix dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, et plus loin, dans les provinces du Sud Kivu, du Maniema et du Grand Katanga. Comme le week-end dernier au studio Maman Angebi, le Premier ministre a invité la population à continuer à se mobiliser derrière les FARDC. Je saisis cette occasion pour demander à notre peuple de toujours vous soutenir et de vous apporter le support dont vous avez besoin pour l'atteinte de vos missions. Le moment est venu pour nous de gagner la paix, de restaurer la sécurité et l'autorité de l'État dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, servir sous le drapeau est un privilège et une grande responsabilité que vous portez. La tenue dont vous êtes habillé doit être honorée de tous, à commencer par vous-même. Et c'est de notre devoir et responsabilité de vous faire respecter. Pour terminer en beauté la journée, le chef de l'exécutif national, le chef d'état-major général des FARDC, le commissaire général de la police nationale congolaise ont tour à tour déposé des gerbes de fleurs au pied du mémorial du soldat congolais pour honorer les vaillants soldats qui ont gagné plusieurs batailles au front. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cet élément. Allez, Bandeko Bazo, comme la biso, moi, Bélé, vraiment, on court derrière les temps. Shadrach Palouem Mafuta, qui en tout cas nous fait signe aussi, il est en train de nous suivre à partir de quelque part. Hein. Il est à Tchangou, en famille, avec les amis. Je salue Shadrach Mafuta Palouem, qui est donc le président, plutôt le coordonnateur de la CIFPA. RDC qui d'ailleurs va organiser en date du 25 mai une grande activité sur la journée d'ailleurs la journée africaine qui sera célébrée à Kinshasa par le truchement de cet événement qui se pointe déjà à l'horizon qui sera organisé évidemment par CIFPA RDC qui coordonne notre ami Shadrach Mafuta Palouem. On nous fait signe que plusieurs autorités sont donc attendues à cet événement, à ces assises qui vont s'ouvrir le 25 mai 2021. On continue, on va maintenant vous proposer périple à chef de l'État à Paris. Déjà la journée d'hier était une journée, il y a makasi pour la président de la République, puisque à Saint-Libordien, c'est belé sur place à Paris, et puis à participer à la première journée, il y a sommet Oyo, Touareko Bengango, sommet pour nous booster, hein. En tout cas, c'est dans ces termes-là, pour nous booster l'économie, l'économie il y a continent, Oyo, plus de 600 milliards de dollars américains, Oyo, FMI, Azali, Koti, pour le continent africain, la République démocratique du Congo a bénéficié déjà
na hauteur il y a plus d'un milliard de dollars américains et en tout cas longoni ya mingi na mokonzi mboka pona ba contact news toana to proposer bino ba audience et puis tout ce qui s'est passé la journée d'hier où ils ont les calélo lobby to proposer bino ngou na bokasité donc il y a bande kuna biso ya presse présidentielle na bandi bongo directeur Eric Nindu wazali ko coordonner lelo presse présidentielle wana to bosanité vient na biso le pasteur Paul Diakese en tout cas merci grand frère propre pour la nyoso zali ko sala je sais que tu es en train de me suivre merci beaucoup merci en tout cas pour la confiance aux zali ko pesa toujours na Congo ya sika po été visibilité mo konza mboka ezala lisu sur assuré élément bozola ndezali bongo signé ndeko na biso pe oyo atika biso te tozalaka toujours naïe Giscard Kousséma ndé a signé les mana il est à Paris avec le chef de l'État atinde le biso la vidéo wana bolande bon tozonga sim tozonga après peut-être pour chuter la cadre émission ya mokolo mwalelo. La veille du sommet de Paris, le président d'exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a voulu enrichir les cahiers des charges du continent avant d'entamer les réflexions sur les possibilités d'une espèce de plan Marshall pour l'Afrique. Au-delà de cette question, la rencontre avec le président Paul Kagame a aussi porté sur les questions bilatérales. Le président du Rwanda a dit soutenir les mesures prises pour lutter contre l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi, the African Union chairperson. Le président Tshisekedi, en tant que président de l'Union africaine et président d'un pays voisin, Rwanda, on a beaucoup de choses à discuter ensemble, entre autres les relations bilatérales et les problèmes qui se passent en Afrique. Pour renforcer la sécurité à l'est de la RDC, parce que cette région est frontalière avec la région du Rwanda. Avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, il a aussi été question du fonctionnement des organes de l'Union africaine. Le chef de l'État lui a aussi présenté les candidats de la République démocratique du Congo au poste de secrétaire général de la SADC, M. Faustin Luanga. Le président tunisien est lui aussi venu apporter sa part de contribution dans les échanges du sommet de Paris. Reçue en premier dans la matinée, la directrice générale du Fonds monétaire international s'est montrée optimiste quant à l'issue des discussions entamées autour d'un appui financier à apporter à la République démocratique du Congo. Nous avons eu une très bonne discussion avec le président. Le programme a avancé très très bien. L'objectif est de supporter le développement d'économie et de support pour l'éducation et l'infrastructure pour le pays. Nous avons discuté les problèmes de gouvernance, la lutte contre la corruption et la nécessité d'augmenter la collection d'argent, de la revenus. Et nous avons discuté l'opportunité pour le pays de recevoir une augmentation de réserves. Le Fonds monétaire international, oui, a décidé de créer une injection de réserves pour le Congo. C'est une grande addition de 1 milliard de dollars. 1 billion dollars. 1.5 billion dollars. 1 milliard et demi de dollars pour la République démocratique. Pour la République démocratique du Congo. Le sommet de Paris sur le financement des économies africaines qui s'ouvre ce 18 mai
est l'occasion pour les dirigeants africains de réfléchir sur les moyens de relancer leurs économies, entrées en récession du fait de la pandémie de COVID-19. Initiateur de cette rencontre de haut niveau, le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron étaient ce lundi soir au perron du Palais de l'Élysée pour accueillir au total 23 chefs d'État, des chefs de gouvernement et des hauts représentants européens, ainsi que des organisations internationales. Ce fut un moment de retrouvailles pour le président français et certains de ses homologues après plus d'une année de restrictions des rencontres en présentiel à cause de la pandémie de COVID-19. Le président de la République démocratique du Congo et son épouse ont été chaleureusement salués par les couples présidentiels de France. C'est au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que revient la charge de mener les plaidoyers en faveur des économies africaines, durement frappées par les effets de la pandémie de COVID-19. L'Afrique, qui pensait tirer jusqu'ici l'épingle du jeu sur le plan sanitaire, a vu son économie s'effondrer brutalement, forçant ses industries à l'arrêt. Selon les spécialistes, les besoins financiers pour l'Afrique s'élèvent aujourd'hui à quelques 400 milliards de dollars américains. Ce mardi, au Grand Palais éphémère érigé sur l'esplanade des Champs des Mars à Paris, s'ouvrira un sommet important pour l'avenir de l'Afrique. Préoccupés par la récession de leurs économies dépendantes des échanges extérieurs, les chefs d'État africains espèrent obtenir un nouveau coup de souffle à travers un New Deal. L'objectif étant de renflouer les économies asphyxiées par le manque de financement. Très bien, Bandeko Batali, Oyo Bomoni, Ezali Dong, Ezali Bongo, Sommet Oye Bandaki Mukolomwa Lobby, na Paris, le président de la République Azawana, na double casquette, président en exercice de l'Union africaine, président de la République démocratique du Congo, puisque les sommets, ils allaient plus pour nous booster l'économie, il y a continent, il y a un pays à continent africain. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En tout cas, tout remercier Bino, Bayonio, ce besoin qui occasion, il y a Olanda Bisso, Mokolo Mwalelo, tout beau sanité, tout paix, ça merci, na, en tout cas, équipe dirigeante, Tabisso Mobimba, tout beau sanité, paix, haute hiérarchie, Nabisso, maman Denewa Dekadi, et puis la première dame de Face Télévision, de Barango, toujours derrière un grand homme, il y a une grande dame, et vous méritez cette place, maman. Pendant tout ce que vous êtes en train de faire pour l'avancement, il y a Bisso, il y a émission européenne, Face Télévision, là-bas, conseil, il y a Longo, il y a la maman, il y a Bisso, tout Télémi, tout Tombola, tout Simba, moto Oyo, Sangisi Bisso, mais tout remercier dans nous, équipe technique Oyo, Ekambi Bisso, Idriss Denewa, de merci beaucoup pour Nandengue, Osimbi, Technique Mobimba, Tobo Sanité, Kalonji Pascal, Tobo Sanité, Joseph, Oazaki, bon, la caméra, Tobo Sanité, Azéa Tembo, Oazarapé, Nabiso, Awana cadre équipe Nabiso, et puis Webmaster, Nabiso, Tikana Benga, Ndengue, Wana, Paske Mtasunga, Abiso Potokota, na site Nabiso, na chaîne YouTube, Nabiso Face Télévision, RDC, Izabongo, Idriss, Kapena. Allez, on va terminer. Tombola Maboko, Tombola Maboko. Bisike Zouami, Tombola Maboko, Tombola Maboko. On dit un très grand merci à celui qui a voulu que nous puissions être là chaque matin. Lui, c'est notre boss, notre président, notre tout, notre papa. En tout cas, merci beaucoup, monsieur AM, pour cette volonté et cette marque de confiance. Tout continue quand Ndengwana pour être Moussala et Koukou Kendemalam. Je vous retrouve demain. À la même heure sur la même chaîne avec évidemment le même plaisir. D'ici là, restez branchés puisque le programme sur Face Télévision est en continu. Au revoir et à demain. Congo, Congo de Mboka, Mboka ngomo kengeli koi, Mboka ngomo kengeli léopard. Kolo to sekana kina mosolo ya mboka Kongo ekoki to fungwani misolelo to moni bozo banyo soto sali boya kobongisa Kongo aveni ebongito sala moto nyoso ata mwana.